Refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Vous le retrouvez également sur Clubic, sur electronlibre.info, sur iTunes et désormais sur l'application On Refait le Mac. Vous nous retrouvez également sur le CD-ROM du magazine Acriad qu'on vient tout juste de boucler. Une émission exceptionnelle cette semaine d'On Refait le Mac à l'occasion du décès de Steve Jobs. Nous tenions nous aussi à lui rendre hommage. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Pour nous rejoindre sur cette mosaïque numérique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier. Alors, c'est pas l'émotion qui t'étreint, c'est la crève ce soir, hein, on le dit. Enfin, c'est un peu l'émotion aussi, mais, ouais. Mais ça va, le temps fait son travail. Oui, on a eu une dure semaine. Voilà, entre le direct la semaine dernière et l'annonce du décès de Steve Jobs, ouais, ça a été un peu intense. Autre invité que récurrent dans Refait le Mac que vous connaissez bien, c'est plus qu'un invité, c'est un chroniqueur. C'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué. Mm-hmm. Bonjour, bonsoir Olivier. Voilà. donc on y est. Je voulais pas la faire cette émission, mais on va être on va être obligé. Ouais, tout oui. Arrive. Personne hein. Voulait la faire. Autre invité, autre chroniqueur, c'est Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonsoir Rodrigo. Salut à tous. Vous voyez, je suis habillé pour la circonstance. Ouais. Et invité exceptionnel ce soir dans Refait le Mac, nous avons demandé à un ancien dirigeant d'Apple d'être avec nous ce soir, d'Apple France. Monsieur Y. Pardon. Non, il avance à visage non masqué. Il est courageux, lui. Bonsoir Jean-René. Bonsoir Jean-René Cazeneuve. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Jean-René, vous avez dirigé Apple France en tant que directeur général entre 2001 et 2005. Je crois que c'est la première fois que vous prenez la parole publiquement sur Apple et pour parler de Steve Jobs depuis votre départ. Merci de votre confiance tout d'abord. On va essayer ensemble, outre cet hommage, d'abord d'essayer de rentrer un petit peu dans les coulisses d'Apple. Comment on peut travailler avec un homme comme Steve Jobs? Peut-être pas au quotidien parce qu'il était loin, parce qu'il était à Cupertino. Je crois que vous avez, Jean-René, croisé à plusieurs reprises Steve Jobs. Vous faisiez partie du top 100 d'Apple. Alors, première question, qu'est-ce que le top 100? Et secondo, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec Steve Jobs? Bon, alors, j'ai eu effectivement le privilège de rencontrer Steve Jobs peut-être une petite dizaine de fois. Et en particulier, je ne me souviens plus de la première fois, pour être très honnête, mais vous parliez du top 100, c'est-à-dire que Steve Jobs réunissait une fois par an une centaine de dirigeants d'Apple, beaucoup de gens de Cupertino évidemment, mais aussi les patrons des principales filiales au niveau mondial. Et ça devait être en 2001, donc il y avait cette réunion qui devait être en lieu en septembre, mais je me souviens d'une anecdote. On était à quelques semaines du lancement de l'iPod. Je vous avais montré le produit, nous l'avait présenté avec la passion qu'on lui connaît, et il n'était pas content du nom. Et donc là, on voit une de ses caractéristiques bien connues de perfectionniste, et il était là, et il relançait la salle des centaines de personnes, c'est pas le bon nom, trouvez-moi un autre nom que ça, etc. Et puis, alors évidemment,
on était à quelques semaines, donc tous ceux du marketing d'Apple, je pense, baissaient la tête en se disant, pourvu qu'ils changent pas, parce que beaucoup de choses devaient être lancées. Et puis, il y avait les patrons européens qui sont tous partis avec une ou deux suggestions. Et moi, je me souviens avoir proposé iMuse. iMuse. Pas comme musique, mais comme muse. Hein, je m'inquiétais. Et Steve Jobs me regarde, probablement, j'avais l'impression d'être un tout petit garçon. Il me dit, non, ça n'est pas que de la musique. Ouais. Et il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, au moment du lancement, l'iPod n'était que de la musique, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il avait déjà un coup d'avance. Et il était déjà en train de préparer tout ce qu'il allait mettre dedans. Autre question, autre période faste, cette période de l'iPod, et cette période où j'étais chez Apple, et qui est indissociable de Steve Jobs, c'est les magasins, c'est les Apple Store. Comment il vous a expliqué comment le board d'Apple a présenté ce projet qui était, il faut le rappeler à l'époque, l'antithèse totale de ce qui se faisait sur le marché, puisque le modèle économique de l'époque, c'était la vente directe par Internet façon Dell. Vous parlez de vision de Steve Jobs, comment il vous a présenté ça? Et au-delà, est-ce que vous avez douté à ce moment-là, quand on voit le succès d'aujourd'hui? Je me souviens encore d'une expression de Jobs, d'ailleurs, qui disait les bateaux montent avec le niveau de l'eau. Et qui illustre très bien cette idée que plus vous êtes exposé, plus vous attirez de gens, et donc plus vous êtes présent sur le marché, et donc plus il y a d'autres gens qui ont envie d'acheter vos produits, donc vous avez un cercle vertueux que vous initiez. Donc je trouve que cette expression qui illustrait un peu cette stratégie, très bonne. D'ailleurs, je l'utilise encore régulièrement, pas pour des retail stores, mais sur d'autres sujets. Donc tous les bateaux montent avec le niveau de l'eau. Si je peux me permettre de rajouter un tout petit truc, ce qu'ont apporté les Apple Store comme outil à Apple à l'époque, qu'on n'arrivait pas forcément à faire aussi bien dans les distributeurs, on va dire classiques, c'était de la pédagogie vis-à-vis des produits. Il faut se souvenir qu'en 2001, le Mac en France comme ailleurs, c'était une toute petite part de marché, en tous les cas bien inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'on avait à faire face à des problèmes simples, qui étaient la compatibilité encore au moins dans l'esprit des gens, hein, entre le Mac et le PC. Et puis on avait à imposer, parce que ça se mesurait comme ça, le nouveau système d'exploitation qui était macOS 10, sur lequel peut-être Jobs était encore plus pushy que sur l'iPod. Et ces Apple Store, et le magasin aussi en ligne, ont représenté l'outil idéal de pédagogie pour pouvoir présenter les produits et en faire le succès qu'ils ont aujourd'hui. Je crois qu'une des comparaisons qu'il a utilisées beaucoup en public pendant ses keynotes, c'est de dire, dans nos magasins, passent plus de gens en une journée, ou 10 fois plus de gens en une journée, que dans tous les salons Apple qu'il y a autour du monde. Il y avait évidemment Macworld au Japon, il y avait une date à New York, une date à San Francisco, une date en France, une date en Angleterre. Et ça a permis la proximité avec les clients et la pédagogie. C'est ça qu'il avait extrêmement bien vu. Bon, la petite conséquence négative, c'est que ces grands messes ont disparu. Pour revenir sur le Apple Expo, je pense que c'est une victime collatérale de ces retail stores. Mais de toute façon, c'était déjà décidé. Je pense que Jobs était très francophile. Je pense qu'il a beaucoup, il est venu souvent en France. Il aimait ce pays. Et moi, de ce que je comprenais, de ce qu'on me disait, c'est que il ne trouvait plus en France, alors donc c'était au début des années 2000, hein, il ne trouvait plus en France la créativité, le peps. Il trouvait que la France avait un peu vieilli et que la France était moins dans le coup, et donc il venait moins en France. Et donc les Apple Expo se faisaient sans lui, sans les keynote, et voilà. Alors, donc je pense que de toute façon, la magie française et l'exception française étaient en train de disparaître. De manière récurrente, c'est vrai qu'on a toujours entendu dire que Steve Jobs était un francophile, qu'il aimait beaucoup la France. Plus récemment, il y a eu même des rumeurs, plus que des rumeurs, d'achat d'une maison dans le sud de la France. Mais c'est la période où vous étiez chez Apple également, c'était une période de tension entre la France
et Apple. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à cette époque-là? Vous parliez d'iTunes notamment, des négociations de l'arrivée du service de vente de musique en ligne en France, et ça ne s'est pas forcément bien passé. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait que, je dirais, le côté, entre guillemets, assez jacobin de la France, voire très administratif de la France, a fait que finalement, Steve Jobs, ça l'a un peu crispé, et quelque part, inconsciemment, c'est d'autres pays européens qui ont pris le leadership plutôt que la France, du moins dans le cœur de Steve Jobs. Je pense que ce qui peut avoir éventuellement, et moi j'en ai été le témoin direct, crispé Jobs, c'est non pas la France en général, mais c'était les autres services qui en France tentaient d'avoir la même offre qu'iTunes, à savoir à l'époque le magasin de musique en ligne de la Fnac et de Virgin, qui devant l'arrivée du rouleau compresseur Apple ont intenté un procès en concurrence déloyale et en vente liée auprès du Conseil national de la concurrence pour que Apple ouvre son système de DRM dans iTunes. Donc ça l'a sans doute un petit peu crispé. J'ai ouï dire qu'il avait menacé de fermer iTunes. Écoute, moi j'en ai été le témoin, donc je peux le dire, hein, mais c'était pas une question de menace. Je pense que c'est pas ça qui était important. C'était surtout une question de position qui était de dire le produit il a sa valeur au global avec l'iPod, avec iTunes, avec le mode de consommation qu'on propose, c'est-à-dire la capacité à pouvoir acheter une chanson facilement, à la transférer sur son iPod facilement. C'est un scénario client complet et il n'est pas question que je dégrade ça parce que dans un pays, certains concurrents sont mauvais coucheurs et veulent essayer de casser ça. Donc, moi, je l'ai entendu dire, et il n'était pas là, c'était au téléphone, je préférerais, dans une situation extrême, mettre en suspens l'iTunes Store en France, plutôt que de casser l'expérience client. Voilà. Alors, il l'a dit dans des termes un peu plus imagés, mais je pense que c'était ça qu'il avait l'idée, et pas une idée, on va dire, francophobe. Jean-René, Steve Jobs était à la fois une personne qui était très aimée dans la communauté des utilisateurs de Mac, bien sûr, au sein d'Apple, mais aussi pas mal craint, je crois. Et pour illustrer ce propos, je vous propose d'écouter Jean-Marie Hulot, qui était un ami et un ancien membre de Next et d'Apple pendant des années, celui qu'on nomme aussi comme l'un des pères de l'iPhone. Il avait participé avec nous à On refait le Mac en mai dernier, et je vous invite à regarder absolument, vraiment cette émission, elle est assez étonnante. Et il revient notamment lors de cet extrait sur l'un des talents cachés de Steve Jobs en matière de diplomatie extrême. Il est très sharp, il va droit au but. Et quand il va droit au but, il peut être blessant. Une qualité qu'il n'a pas, c'est la diplomatie. Et que donc justement, il va très facilement en fait faire des remarques à des gens à tous les niveaux que de mon point de vue, il devrait parfois éviter. Il ferait mieux de les faire au niveau intermédiaire qui lui va faire ce qu'il faut par en dessous, parce que il va facilement casser en dessous et puis après laisser la personne dont c'est la responsabilité, donc le niveau intermédiaire, réparer les dégâts. On a beaucoup parlé effectivement du caractère très fort de Steve Jobs, donc je ne suis pas là non plus un spécialiste. Je peux vous dire que j'ai effectivement vu Steve Jobs à deux reprises engueuler de manière très sévère des cadres supérieurs, des seniors VP ou des VP d'Apple en public. Engueuler, parce que dans l'entreprise, si vous voulez, se faire remonter les bretelles par son patron, ça arrive, mais c'est vrai qu'en public, c'est toujours un peu bizarre. Puis j'ai une autre anecdote en discutant avec vous qui me revient à l'esprit. Une fois, je présentais, Steve Jobs était venu pour une revue européenne, et je présentais le résultat de la France, qui n'était pas particulièrement formidable, et Steve Jobs, qui était au premier rang, dormait. S'endormait. Vous savez, c'est quelqu'un qui vient de débarquer de l'avion et qui vous écoute et on sent qu'il lutte contre le sommeil. Et donc, il avait tendance à un truc. Alors, évidemment, est-ce que ce que je racontais était vraiment, vraiment embêtant ou est-ce que c'était le jet lag? Je ne sais pas, je ne saurai jamais. Mais dans toute autre circonstance, quand je fais une présentation, je chope quelqu'un qui dort, je m'approche, je crie, je fais quelque chose, etc. Et là, j'étais presque soulagé. C'est-à-dire qu'il dormait,
il dormait, pour certainement de bonnes raisons, il dormait, donc moi je pouvais faire mon truc rapidos et passer à autre chose. Donc ça montre le respect qu'on avait pour Steve Jobs et la crainte qui l'inspirait. Voilà, donc on avait juste pas envie de tomber le mauvais jour au mauvais moment. Et voilà. Rarement un patron dans l'histoire de l'industrie a été autant associé à une marque, l'aura autant incarné. Jean-Marie... Non, il y a Michael Dell aussi. Oui. Jean-René, non pas Jean-Marie. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir personnellement d'Apple maintenant que Steve Jobs est plus là ? Deux manières de répondre à cette question. Soit on se dit que Steve Jobs était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et alors, il n'y a pas de raison que ça continue aussi bien sans lui. Soit on dit que c'était pas un mec formidable, un mec exceptionnel, et effectivement, Apple pourra continuer de la même manière. Donc, moi, je pense quand même que c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel et de tout à fait hors norme, et qui va manquer quelque chose à Apple. L'un des moments forts qui a permis de suivre l'évolution d'un Steve Jobs et l'épanouissement d'un Steve Jobs au sein d'Apple, ce sont les keynotes. Et après donc cette immersion dans les coulisses d'Apple, on va essayer de se remémorer ensemble de bons moments, des moments heureux que nous avons vécu grâce à Steve Jobs, de délicieuses geekeries, hein, comme j'ai noté. Et ces instants privilégiés où l'on peut apercevoir le gourou, bien sûr. Donc, je vous disais, ce sont les keynotes, des présentations animées par l'ancien patron d'Apple qui sont aujourd'hui devenus des événements planétaires. Alors, messieurs, je vous ai demandé, avant de préparer cette émission, quels étaient les moments forts d'une keynote que vous garderez en mémoire pour toujours et qui reflètent véritablement le personnage. On va commencer par Cédric. Alors, c'est pas proprement parler une keynote. Moi, c'est un document que j'ai découvert jeudi dernier en essayant de préparer tant bien que mal dans une chambre d'hôtel de Tokyo un plein écran spécial sur Steve Jobs, dont finalement, on n'a pas à rougir, ce qui est la première chose qu'on peut demander à son travail. Et j'ai découvert ce document qui était sur YouTube, et ça se passe en 97. Il faut resituer le moment, c'est au moment où Steve Jobs revient. Il est revenu, il a repris les rênes de l'entreprise qui depuis des années sort des produits qui font plus vraiment rêver. En 97, c'est vrai. En 97, il y a eu même un enchaînement de produits ratés, pas beaux. Enfin, il y a une vidéo qu'on a passée dans plein écran, c'est dommage si j'avais le lien. Bon, on va la trouver entre maintenant et le montage, où on voit, souvenez-vous, ce lecteur de CD signé Apple, tout marron, une espèce de LEDer qui est censé être un lecteur de CD portable. Enfin, c'est quand on regarde ça avec le recul, c'est ahurissant. On regarde ça et on dit, ah non, c'est pas possible, Steve Jobs ne pouvait pas être là. En gros, c'est à peu près ce qui va nous arriver dans 5 à 10 ans, vous verrez. On dira, ah ben non, c'est pas possible. Non, mais... Voilà. Et donc, Jobs comprend, il a compris que un, il faut qu'il arrive à remotiver ses troupes, et puis il faut qu'il arrive à remettre un petit coup de fouet à la marque Apple à un moment où il n'a pas encore les nouveaux produits. C'est avant les iMac qui vont. Il n'a rien à vendre. C'est ça le problème. Et donc il réunit dans la même salle où il y a eu la keynote de la semaine dernière de Tim Cook, c'est dans la salle des town halls d'Apple à 4 à Cupertino, à 4 Infinite Loop. Je sais pas qui c'est dans la salle. On sait que c'est des gens d'Apple, j'imagine que ce sont des cadres. Enfin, il y a la place pour mettre 150 à 200 personnes. Et il leur explique ce que vous allez voir là. Il leur dit, voilà, il faut revenir à ce que sont les valeurs de base de l'entreprise. On a la chance d'avoir une grande marque. Et les valeurs de base, c'est... Eh ben, regardez. Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony... It is one of the greats, not just in this country, but all around the globe. And, but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of
of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. Et il leur dit, voilà, on a la chance d'avoir une marque forte, mais qui est tombée un peu en désuétude ces derniers temps. Il expose la stratégie de film différente, voilà. Exactement. Il dit, think different, c'est ça. Il dit, pour nous... On n'a rien à vendre. Ouais, il le dit pas, on n'a rien à vendre. Ouais, non, il dit, non, il se concentre sur le positif. Il dit, il faut qu'on se concentre sur la marque et sur ce que sont nos vraies valeurs. Et il dit, on a voulu penser à ceux. Il dit, on n'est pas là pour faire des boîtes qui permettent aux gens de faire juste leur boulot. Il dit ça, on le sait le faire très bien, mais c'est pas ça notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, c'est d'être là pour les créateurs et les gens qui changent le monde, etc. Do think different. Et alors, ça finit sur une blague que j'ai moi trouvé très drôle, qui dit, vous allez voir dans le spot, dans le think different, qui leur dévoile à la fin, il y a des gens qui sont vivants et puis il y a des gens qui sont morts, mais même les gens qui sont morts, s'ils avaient eu, if they'd had a computer, it would have been a Mac. Voilà, et ça m'a fait mourir de rire. Those people who have changed the world, some of them are living, some of them are not, but the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is think different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. C'est là où il y a Rosa Parks, c'est là où il y a Einstein, et voilà, c'est rigolo de se dire, d'accord, donc si Einstein avait eu un ordinateur, ça aurait été un Mac. Moi je trouve ça absolument merveilleux. Concrètement, ce qui est étonnant quand même dans le propos, dans la vision, on a vraiment l'impression que pour ça cette vidéo, c'est que Steve Jobs a scénarisé son retour le retour en premier plan ici. Il dit, j'ai besoin de temps, donc on va faire une campagne de communication. C'est aussi pour ça, vas-y, fini. Ce qui est frappant quand même, ce qu'on oublie, souvent, et là je parle devant des gens qui ont fait des longues études, c'est que c'est un autodidacte qui n'a pas usé les bancs des écoles de commerce et de marketing. C'est vraiment impressionnant. Non, ce qui m'a impressionné dans ce clip, c'est que il est dans le même mode de démonstration, la même dialectique, le même j'appuie sur les points qui sont importants, alors qu'il est en train de parler, c'est un truc interne, c'est une réunion interne. Et il la joue comme une mini keynote, alors qu'on n'est pas encore à l'époque des grandes keynotes. Enfin, il y avait les choses des Macworld Expo de New York, Boston, etc. Et puis il y avait, j'imagine déjà, mais vous pouvez me corriger, les grandes conférences développeurs. Mais voilà, et en gros, il est en train de faire une keynote, pour 100 personnes. Monsieur X, quel était votre moment fort que vous vouliez mettre en avant ce soir dans les différentes keynotes que vous avez vécues au sein d'Apple ou par procuration quand vous... Ouais. Tu le vous vois maintenant, c'est quand même bas. Bah écoute, étrangement, moi, c'est une keynote qui a eu lieu quand je n'étais pas encore chez Apple. C'est la keynote de juillet 2000 où Steve Jobs a lancé le Power Mac G4 Cube. Parce que cette keynote, je ne l'ai évidemment pas vue en direct. Hein. Je l'ai vue même un peu de temps après. Moi, je travaillais chez un constructeur de PC à l'époque et je faisais de la conception d'ordinateur. Voilà. On était des gens très sérieux qui faisions du développement de produits aidés par des superbes outils comme Microsoft Project. On lançait nos produits auprès des journalistes avec Force Slide. Et ce jour-là, Steve Jobs, en lançant le G4 Cube, nous a... totalement ringardisé. Alors il nous a ringardisé. Alors, attends, on va lancer les images et on va les regarder et tu reprends tout de suite après. Donc on regarde les images, c'est le lancement du Cube, c'était le 19 juillet 2000. But there's one more thing. The Power Mac G4 Cube, or more affectionately, the G4 Cube. And I would like to show it to you now. Let's bring it out. This is a stunning product, quite possibly the most beautiful product we've ever designed. The computer is in an 8-inch cube, and it's suspended in a stunning crystal clear enclosure. You push down on this handle, and it pops up, and you literally lift all of the technology out.
You have access. You have access to every single component. And when you're done, you just put it back in, pop down the handle to lock it in. We even have a Kensington lock to make sure you're the only one that opens your G4 Cube. Pop it right back over, and you're in business. Pour moi, cette keynote, c'est le moment où Steve Jobs est enfin revenu en force. Il a nettoyé la ligne de produits Apple. Il y a déjà le premier iMac qui est sorti, donc il donne une vision claire et déjà bien construite de la ligne de produits Mac. On pense que c'est un aboutissement et qu'il va tirer une conclusion de tout ça en disant « Apple est de retour ». Et en fait, c'est un point de départ. Donc, il utilise cette fameuse phrase qui s'appelle « One more thing ». Il y a quelque chose de plus dans cette keynote. Et c'est certainement le plus beau « One more thing » qu'il ait fait. Et il fait l'annonce comme ça du G4 Cube pendant 10 minutes en ringardisant toute l'industrie du PC. Alors, non seulement sur la forme, parce que c'est un showman extraordinaire. Mais... Nous, on croyait que c'était impossible de parler sur scène... comme ça, même un peu d'en rajouter des tonnes. Si vous re-regardez les images à la fin de l'émission, vous verrez que le G4 Cube arrive sur un chariot roulant qui est télécommandé, donc ça c'est même un petit peu too much. Mais au niveau de la communication et de la forme, c'est juste du jamais vu. Il nous ringardise au niveau du fond. C'est Broadway, ouais. C'est Broadway et Cupertino. Il nous ringardise au niveau du fond parce qu'il nous sort un ordinateur qui est 4 fois plus petit en volume que ce qu'il avait fait avant le Power Mac G4. Donc ça, c'est complètement incroyable pour nous. C'est d'autant plus incroyable que moi, quelques jours après, je vais en acheter un à la Fnac et que je le donne aux ingénieurs. Non, mais avec l'argent de mon employeur. Note de frais. Absolument. Et je le donne aux gens qui, chez mon employeur, étaient chargés du reverse engineering, c'est-à-dire d'ouvrir la bête et de regarder ce qu'il y avait dedans. Et leur conclusion une semaine après, c'est on ne sait pas comment cet ordinateur a été conçu, notamment au niveau de la partie mécanique. Ils ne comprenaient pas ce qui avait été fait. Donc, ringardisation au niveau de la communication, ringardisation au niveau du contenu, et puis ringardisation au niveau de la vision, parce qu'il proposait un produit dont les arguments principaux étaient... Il est magnifique, il est beau, vous aurez envie de le posséder. C'est la plus belle chose qu'Apple ait jamais fait de sa vie. Enfin, ça, il le disait un peu à chaque fois, mais c'est la première fois qu'il a utilisé cet argument. Et puis, cet ordinateur ne faisait pas de bruit et s'allumait, pas d'ordinateur. Ouais, et s'allumait par un effleurement de la main. Donc, il utilisait, en termes d'argumentaire marketing, des choses qui, pour nous, semblaient stupides ou complètement accessoires. Donc, ça nous plaisait. Moi, j'ai moi-même acheté un Mac, mais on ne comprenait pas où il voulait en venir. Et la beauté dans l'informatique, il l'a introduit ce jour-là avec ce keynote. Jean, de votre côté, quel était le moment fort, la keynote forte qui vous a marqué du temps où vous étiez chez Apple? D'abord, j'ai un tout petit souvenir sur les dernières keynotes qui ont été faites par Jobs à Paris et qui illustrent très bien son souci du détail et de la perfection, une fois de plus. C'est-à-dire que Tout venait des États-Unis. C'est-à-dire le câble électrique, la rallonge électrique, la bouteille d'eau qu'il prenait, tout venait. Il y avait un goûteur, c'est ça sur la scène. Ah non, c'est complètement fou. C'est-à-dire que comme s'il n'y avait pas de projet de personne capable de tenir un projecteur en France, tout le monde et tout le matériel venait comme ça des États-Unis. Et à une époque où Apple n'avait pas les moyens, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça nous surprend pas. Mais en 2001 ou en 2000, quand Jobs fait ça, c'est qu'il a toujours ce souci de la perfection, quel que soit le prix, parce qu'il n'y a pas de compromis possible et qu'il veut pas qu'il se passe le moindre truc. Donc c'est tout ça impressionnant. Alors moi, probablement la keynote qui m'a le plus marqué, c'était celle de l'annonce de l'iPod. And that product is called iPod. iMac, iBook, iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music, MP3, MP3 variable bitrate, WAV, and AIFF. But the biggest thing about iPod is it holds 1,000 songs. Now, this is a quantum leap because for most people, it's their entire music library. This is huge. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there. So,
This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket. C'était le début de ce qu'on a peut-être appelé, on l'appelait peut-être pas comme ça au démarrage, la vie numérique avec le Mac au cœur de la vie numérique, c'est-à-dire que ou le PC au cœur de la vie numérique, et tout il y avait tous ces périphériques numériques qui venaient autour du Mac. Ça a tenu 10 ans, c'est une révolution qui a tenu 10 ans. Maintenant tout le monde parle de la vie numérique, et c'est une parenthèse de 10 ans, ou une phase de 10 ans qu'il a lui-même fermée avec l'iPad. C'est-à-dire que maintenant je crois que le PC ou le Mac ne sont plus au cœur de la vie numérique, et que c'est la mobilité qui est devenue l'instrument principal de notre vie professionnelle et de notre vie personnelle. Donc il y a eu tellement de développement dans l'interface, dans la puissance des outils mobiles, etc., que maintenant on est très autonome avec ces outils-là par rapport à ce qu'ont été ces 10 dernières années, avec le lancement de l'iPod, qui était cette première illustration. Il y avait iTunes, il y avait iMovie, cette première illustration de cette vue très PC-centrique, pour utiliser un mot un peu vulgaire, je sais, puisque... Non, mais c'est le PC au sens large, tout va bien. Absolument. Mais je pense qu'il y a une réalisation chez Jobs du fait que l'ordinateur reste un outil par défaut. On fait ce qu'on fait avec l'ordinateur parce qu'on ne sait pas le faire plus simplement. Enfin, en tout cas, c'était ça la vision, et c'est la réalisation de cette vision, c'est l'iPad. Alors, ça ne veut pas dire... Enfin, ils n'ont pas arrêté de faire des MacBooks pour autant, hein, donc c'est quand même le signe qu'on n'en est pas encore vraiment à ça. Pourquoi je vous ai repris là-dessus ? Ça allait me revenir, mais on s'en reparle après une page de pub. This is our store. And the store is divided into 4 parts. The first quarter of the store has our home section with great home and education products, and our pro section with all our great pro products. And every product we make is in this first 25% of the store. You can see the whole product line. D'une part, en ce qui me concerne, c'était le lancement du tout premier iPhone en 2007. Comment ne pas parler de cette keynote mythique où on sent vraiment que Steve Jobs a préparé son sujet à l'extrême. C'est pas l'une des plus drôles, mais on sentait vraiment qu'on... Moi, j'étais dans la salle. Ah, celle-là, même rétrospectivement, imagine, c'est comme un tour de magie où tu l'as déjà vu, et pourtant, tu t'es quand même étonné. Enfin, c'est extraordinaire. Allez, de la revoir. Cédric, on va regarder les images. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is 1 device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. We've been so lucky at Apple. We've had some real revolutionary products. The Mac in 1984 is an experience that those of us that were there will never forget. And I don't think the world will forget it either. The iPod in 2001. Changed everything about music. And we're going to do it again
with the iPhone in 2007. We're very excited about this. And you know, there's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being a part of this. Voilà, ce qui est vraiment impressionnant, c'est les pauses qu'il marque entre, presque entre voilà. chaque parole. En disant, vous allez voir, ça fait des wide screen, sur le sujet. A widescreen iPod with touch controls, voilà. A revolutionary mobile phone. Et là, vraiment, on est vraiment, au summum de l'art de la keynote pour Steve Jobs. L'autre moment fort que j'ai choisi de vous montrer ce soir, c'est vraiment un flashback important. Nous sommes en 97. En juillet 97, c'est le retour de Steve Jobs à Apple. Hein, ça faisait pas très longtemps qu'il est là. C'est l'une de ses premières keynotes à Macworld, Macworld Expo. C'était à Boston. Il avait, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, Cédric, lorsqu'il est revenu au sein d'Apple, pas grand-chose à dévoiler de bien exceptionnel. Il devait juste sauver Apple de la faillite, excusez-moi du peu, et surtout rassurer les marchés sur le fait que la firme de Cupertino a encore de l'avenir, alors que les ventes étaient en berne et que l'innovation technologique s'en était allée. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir sur ces images, il faisait face à des milliers d'utilisateurs et développeurs de Mac. Il se serre les coudes dans l'adversité, ce qui les unissait. C'était une volonté farouche de revanche face à Microsoft. Et c'est là que Steve annonce le mariage avec Microsoft. Ambiance avec les images. And I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one. And that is one with Microsoft. Take you through this. The discussions actually began because there were some patent disputes. And rather than, I know, rather than repeating history, I'm extremely proud of both companies that they have resolved these differences in a very, very professional way. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. If we want to move forward and see Apple healthy and prospering again, we have to let go of a few things here. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. Okay? We have to embrace a notion that for Apple to win, Apple has to do a really good job. And if others are going to help us, that's great. Because we need all the help we can get. And if we screw up and we don't do a good job, it's not somebody else's fault, it's our fault. So I think that's a very important perspective. I think if we want Microsoft Office on the Mac, we better treat the company that puts it out with a little bit of gratitude. We'd like their software. So the era of setting this up as a competition between Apple and Microsoft is over as far as I'm concerned. This is about getting Apple healthy, and this is about Apple being able to make incredibly great contributions to the industry to get healthy and prosper again. Alors, non seulement il annonce le mariage à Microsoft, qui annonce la vente d'actions, et également, il y a carrément le Satan, hein, l'ennemi juré de la communauté Apple, qui est en duplex... Ouais. Non, c'est ça. Non, qui est en duplex de Redmond. Mais c'est énorme, c'est vraiment comme si. C'est impressionnant, je termine. C'est impressionnant, c'est qu'au début de l'émission, au début de la keynote, c'est vraiment l'une des keynotes les plus tendues que j'ai jamais vues. J'étais pas là, mais que j'ai vu plus tard. Oui, c'est la première fois que je vois Steve Jobs se faire huer. Ouais. Les gens disaient non, c'est pas possible. Non. et à la fin, les gens sont presque debout à applaudir. C'est une belle leçon de communication. Et le véritable engagement derrière, et c'était ça l'intelligence de Jobs quand même, c'était d'oser aller chercher Gates pour lui dire on va faire des trucs ensemble et surtout, tu vas me faire des vrais softs, des vrais logiciels pour le Mac parce qu'il pas bugué.
pas bugué, il me faut un bref. Et c'est drôle parce que moi, j'étais jeune journaliste à l'époque et je me souviens de gens qui étaient chez Microsoft France. Je me souviens de gens qui étaient chez Microsoft France, responsables des logiciels Mac, qui étaient vraiment un truc totalement délaissé chez Microsoft. En gros, ils avaient un petit bureau à côté des mecs qui faisaient les souris, quoi. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, les mecs, on leur a fait faire 22 allers-retours à Redmond par an parce que tout à coup, c'est devenu un truc stratégique parce que Gates avait dit, allez, il faut qu'on développe du soft sur le Mac, c'est important parce qu'il faut qu'on, il faut pas qu'on reste entièrement monoplateforme. Mais ouais, c'est un moment d'enfer, quoi. À partir de ce moment-là, donc Steve Jobs a repris les commandes, même s'il était toujours ce qu'on appelle un high CEO, un CEO intérimaire et non pas un high pour Internet comme le reste des produits. Il a commencé à faire de nombreuses keynotes, il y en avait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui puisqu'il y avait beaucoup plus de salons. Et pour l'anecdote, c'était vraiment un vrai showman. Il avait sa tenue de scène, on le sait, hein, son célèbre jean, basket, New Balance et son pull noir. Et pour l'anecdote, il s'était fait construire une télécommande sur mesure, messieurs. Je ne sais pas si tu en souviens, monsieur X. Non. Une petite télécommande bleue par ses ingénieurs. Après, elle a évolué telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les keynotes d'Apple. Et il s'était même fait développer, regardez sur les images, un logiciel. Qui est devenu Keynote. Ses présentations. Qui est devenu Keynote. Parce qu'il était hors de question, bien sûr, de faire une présentation Apple avec un logiciel de PowerPoint. Bah, PowerPoint, oui, c'était pas possible. Alors, vous en parliez, Jean-René, tout à l'heure, de l'arrivée de Steve Jobs à Paris pour les keynotes. Comment ça se passait, les préparations de ces keynotes? Est-ce qu'effectivement, il y avait, j'imagine, pour le personnel d'Apple France, une énorme pression? Non, ça devait être très décontracté, j'en suis sûr. Franchement, c'était presque un non-événement, dans la mesure où le produit arrivait complètement packagé et qu'on ne demandait absolument pas aux salariés d'Apple France d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc c'était franchement, on était simple spectateur d'une tournée de Madonna qui s'arrêtait. Vous avez juste réservé la salle, quoi, c'est tout. Alors, même pas, on réserve même pas la salle. Donc, il fallait regarder là, il fallait aller à la presse pour être certain que Jobs venait ce jour-là. Je plaisante, ouais. je force à peine le trait. Alors, on est très impliqué sur l'Apple Expo, parce que là, évidemment, on participait, les stands, les partenaires, etc. Donc ça, on faisait beaucoup, beaucoup de choses en local en France. Et on avait aussi quelques opérations. Alors, Jobs faisait rencontrer quelquefois des journalistes. René, c'est un sujet qui me fait mal, vous le savez. Alors, c'est encore douloureux. Alors, encore la plaie est encore ouverte. Et encore plus malheureux que vous, c'est qu'il rencontrait encore plus rarement des clients. Et moi, je me souviens une fois, c'était encore, désolé, hein, je remonte à cette période-là du lancement de l'iPod. Mm-hmm. Et on avait, avec l'excellente équipe marketing produit de l'époque, on avait imaginé de mettre l'iPod dans les voitures. Quelle drôle d'idée, monsieur X, c'est drôle. Et donc, on organise un rendez-vous entre le DSI d'un très grand groupe automobile français, dont je tairai le nom. Ah, c'est très dur à deviner. Il y avait le patron du design. Il y avait le patron du design également. Patrick Le Caiman, par exemple, c'est ça. Je l'ai interviewé juste après, donc vous pouvez y aller. Et donc, on va chez ce client, on fait la réunion, on sort du truc. Alors moi, évidemment, j'étais un peu comment il a apprécié le client, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il va faire le truc, etc. On ne parlait absolument pas à cette époque-là de l'iPod dans les voitures. Et moi, j'étais pas au courant du tout des négociations qu'il pouvait avoir par ailleurs. On sort du truc. Et puis il nous dit quelque chose qui ressemble à ça, au sort de rendez-vous, il nous dit quelque chose qui ressemble à ça, qui est, écoutez, non, de toute façon, on ne va pas travailler avec ce constructeur, ces voitures sont nulles à chier, enfin, je n'ai pas dit ça tout à fait comme ça. Donc, il trouvait que le design des voitures n'était absolument pas à la hauteur des produits iPod. Donc, il n'était pas question de travailler avec ces gens-là. Ce que j'ai su après, c'est qu'il était en train de travailler avec BMW hein, sur ce concept-là et que probablement, il préférait commencer avec BMW pour installer la marque, etc. etc. Et puis, il nous dit un deuxième truc qui illustre bien, je crois aussi, la personnalité de Jobs. Il lui dit, en revanche, là, parce qu'il y avait un designer qui était présent, il dit, ce gars-là, il est vachement bien,
il faudrait peut-être le faire rentrer chez Apple. C'est-à-dire que le seul truc qui l'avait intéressé, c'était ouais. non pas le patron du design, qui était non pas le DSI, évidemment. Exagéré. Le DSI, arrêtez. Le troisième gars de ce constructeur, qui était venu parler un peu design, etc. Lui, il est vachement bien, il me faut. Voilà. C'était aussi, quand on dit la suite d'Apple sans Jobs, c'est aussi la qualité incroyable qu'il a eu d'aller recruter des mecs formidables et s'entourer de mecs formidables, dont beaucoup sont encore aujourd'hui chez Apple. On le disait à l'Equinote, vraiment, c'est des exercices qui sont hyper bien huilés, monsieur X, mais généralement, en backstage, il y avait quand même tout ce qui était en présence était redondant pour éviter évidemment des bugs, pour éviter un crash. Il y avait tout qui était doublé. Ouais, que ce soit les keynotes au Palais des Congrès ou la machinerie à Apple Expo, qui ressemblait en moins grand niveau de la scène, mais qui était à l'identique en termes de machinerie, tout était redondant, voire plus que ça. Donc effectivement, comme disait Jean-René, hein, nous on était... accessoires dans l'organisation de ces keynotes. Bon, ça nous arrivait d'intervenir de temps en temps, on va dire, comme support. Nettoyer l'écran. Ouais, des petites choses comme ça, ou parce qu'il y avait besoin de remplir des verres de discuter avec des autorités locales et qu'il y avait un petit problème de langue. Moi, donc je me souviens. Ah, des histoires d'autochtones, quoi. Des histoires d'autochtones. Donc je me souviens de la seule fois où moi j'ai mis la main à la pâte pour une keynote de Jobs et c'était anecdotique. Tu avais mis des gants ce jour-là. Ouais, c'est clair. Des gants blancs. Pour la présentation d'iChat. Aussi, ma mémoire est bonne, iChat avait été présenté au travers d'une conversation entre Steve et Bertrand Serlet, qui était vraiment ou faussement, ça je ne m'en souviens pas, à Londres. Non, c'était Jean-Marie Hulot. Ah, c'était Jean-Marie Hulot, pardon. On va diffuser. Et donc, ils se sont parlé, ça s'est très bien passé. Donc, pour faire ça à l'époque, il fallait une très très grosse liaison Internet avec beaucoup de bandes passantes. C'est pas comme Cédric ce soir avec... son téléphone sous Android, sans doute, et en passant par la 3G. Non, il fallait un énorme tuyau, évidemment, la catastrophe que l'équipe de Cupertino redoutait, c'était que la liaison coupe pendant la keynote, parce que la keynote était retransmise, il y avait beaucoup de journalistes et d'enjeux. Donc la ligne avait été doublée, c'était une ligne spécialisée, doublée, et il m'avait été posé, enfin, il nous avait été posé, la question m'était revenue, par quelqu'un de l'équipe organisatrice, qu'on connaissait parce qu'il nous aidait aussi sur Apple Expo, si on pouvait contacter le préfet de Paris pour assurer la liaison, et si on avait son numéro de téléphone pour l'appeler en cas de problème. Le préfet de Paris ? Oui, absolument. Qui était une notion qui n'existait même plus, hein, ça datait des années 50. Si j'ai deux, trois contraventions à faire sauter, monsieur X, je peux dire. Donc on lui a dit que le préfet de Paris ou les autorités de Paris, ça ne devait pas marcher comme ça. Et de toute façon, l'opérateur au travers duquel on passait était une société privée, donc absolument pas contrôlée par l'État. Et ça s'est très bien, passé. Mais oui, les équipements étaient redondants. Mais les enjeux étaient tellement forts. Et puis, souvenez-vous, des keynotes qui ont eu des problèmes, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu deux. Une à laquelle je n'étais pas, quand une présentation d'iPhoto n'a pas marché, l'appareil photo que Steve tenait a fini dans le front du chef produit qui était au premier rang. Je t'arrête. J'en ai une deuxième aussi, si vous voulez. Mais oui, on va passer les images, parce qu'on a prévu un petit sujet d'accord. là-dessus. Hein. Effectivement, si Jobs est une rockstar, comme tout cas rockstar, il n'est pas à l'abri d'une fausse note. Waouh, avec transition. Wow. Et de temps en temps, il y avait des bugs, la preuve en images. I know we're having some trouble with the system, so excuse me in advance if it continues. So let's take a look at some of them. It's going to birthday. Whoops. and I think this well, I don't know. And then whoops. All right. All righty. Yeah. I got a little bug here. And there's 12 are 12 hours because it's all right. Well, that's why we have backup systems here. Now, what is this? I don't know, but it works. And my camera's not turning on. What's that?
Now turn it on. Here. Okay. Petite séance de torture, donc, ça, autour de lui, ça devait être vraiment... il fallait un responsable, j'imagine, monsieur Hicks, à ce moment-là. Hein. Si le produit ne marche pas le jour de la démonstration, c'est de la responsabilité de la personne qui est responsable du produit. C'était, entre guillemets, la réputation qu'il avait, qui était... on ne se cache pas derrière son petit doigt, si des choses ne marchent pas, il y a un responsable. Et la tête toute trouvée, c'était le chef produit. C'est ce qui se passe avec cette image sur... sur iPhoto, mais je crois même pas que le fond était véritablement méchant, c'est qu'il était... il n'y avait rien contre la personne, c'était... contre le chef produit, le boulot n'avait pas été fait, et ça, c'était un crime de lèse-majesté, quoi. Ouais, et le plus grand moment de solitude lors de cette vidéo, hein, c'est vraiment la solitude du pauvre patron de Sony, Cédric, qui... Et là, on voit la différence de charisme d'une marque à l'autre, où là, à l'époque, c'était pour il présentait une caméra HD et Apple était le premier à en apporter le support sur Mac. Et le pauvre garçon, parce que FireWire, bien sûr. Je me souviens, la DVX-2000, magnifique. Mais moi, j'ai le souvenir plus direct, parce que j'ai vu en vrai deux keynotes de Steve Jobs dans ma vie. J'ai vu l'iPad premier du nom, et ça poutre. Et puis l'iPhone 4. et l'iPhone 4, où Steve Jobs est en train de dire « Regardez, le Retina Display, c'est magnifique, je vais charger la homepage du New York Times et on va pouvoir tout lire sur un seul écran. » Et là, c'est la faute des journalistes. Et là, ça plante. Mais honnêtement, c'était dans la grande salle que je connais très bien du Moscone Center, où il y a donc 5000 personnes. Et vraiment, je te promets, c'est de l'ordre du sentiment, quoi. Mais au moment où tu sens qu'en fait, c'est en train de planter, là, tout à coup, tu vois, il y a des gens qui papotent parfois un petit peu entre eux, etc. Et là, tout à coup, il y a un grand silence dans la salle. Et t'as l'impression, je te jure, moi, je me souviens de ça, j'ai eu l'impression de sentir un courant d'air froid, quoi, tout à coup, genre, oh la vache. Sur la nuque. Oh la vache. Nuque. Et pourtant, moi, nous, on était responsables de rien, on était juste journalistes. Mais, et donc, tu vois Steve qui dit, ça marche pas. Et de fait, qui passe immédiatement au deuxième iPhone qui doit être caché à 20 cm de là, à côté du projecteur. Redondant, mais j'y reviendrai redondant. Et ça marche toujours pas. Et donc, il finit par faire la démo avec des photos. Et on sent dans son ton, aller revoir la keynote, qu'il est livide. Parce que sa démo a pas marché. Et alors, il passe la main à quelqu'un d'autre pour une autre démo, etc. Et il revient sur scène avec le sourire. Et il dit, comme vous pouvez l'imaginer, ma petite démo qui a pas marché, backstage, ça les a un tout petit peu affolés. Et là, un tout petit peu affolés, on imagine les mecs en train de courir comme des canards à qui on a coupé la tête, si tu veux. Au secours! Des mecs qui ont des trucs qui tournent devant les yeux, genre les études de mes enfants, la maison, la voiture, le machin, tout ça, c'est mort. Et en fait, c'était l'histoire de tous les petits MiFi, tous les petits hotspots Wi-Fi que tout le monde avait. Moi, j'avais déjà un mec d'Engadget à gauche et un autre à droite, etc. Tout le monde, moi aussi, j'en avais un. J'essayais de transmettre des images pour un blog qui n'avait pas été invité. Et enfin, etc. Donc. Je vois ce que tu veux dire. Bah ouais. Et donc, et à ce moment-là, il fait rallumer les lumières dans tout le Moscone Center en disant allez, tout le monde ferme les laptops, tout le monde ferme les iPads et on éteint tous les MiFi car mes ingénieurs, et ça c'est génial, mes ingénieurs viennent de détecter, je me souviens plus, genre 634 stations Wi-Fi dans la salle. Donc allez, et il dit, et non seulement vous fermez, mais vous vérifiez bien que votre voisin a fermé le sien. Allez, parce que si vous voulez voir les démos, c'est comme ça. Et là, enfin, ahurissant, quoi. Bon, le mec d'Engadget qui était à côté de moi, il a fait « Yeah, right ». Alors, tu le disais, Cédric, c'est un showman, hein, il s'est pas dégonflé, il a improvisé. C'est quelqu'un qui aimait la scène profondément. Il a moins fait à la fin de sa carrière parce qu'il était un peu plus affaibli. Mais si on revient encore une fois un petit peu en arrière, on s'aperçoit vraiment que c'est un acteur. Il aime se mettre en scène, voire se tourner parfois en dérision. Nous sommes en 99, à l'époque, un téléfilm est diffusé sur les écrans des foyers américains, ça s'appelle... Les pirates, pardon, de la Silicon Valley, qui retrace la rivalité entre Jobs et Bill Gates à leur début. Voici comment Steve Jobs en joue sur la scène du Moscone Center à Macworld.
thanks for coming. This is going to be a great Macworld. You know, everybody at Apple has been thinking different for the last couple of years. We're selling a lot of computers. But there's something else happening here. That's not me at all. You're blowing it. Look, you're supposed to come over here, open a water, get the slide clicker, then you can put your hands together. This insanely great thing, we stopped using that 100 years ago. You know? I mean, ladies and gentlemen, Noah Wyle. Donc vous l'aurez reconnu, c'était bien sûr Steve Jobs alias Noah Wyle qui était Dr. Carter dans Urgence. Dans Urgence. ER. C'est quand même assez imaginable ce genre de... Bah maintenant tout le monde le fait, hein. Il l'a refait d'ailleurs à la WWDC comme quand John Hodgman, qui était le garçon qui jouait le PC dans les pubs Mac versus PC, est arrivé sur scène en disant « Je suis Steve Jobs et je crois que je vais fermer Apple car Vista c'est trop bien, donc allez levez-vous tous et partez, voilà. » Hello everyone, I'm Steve Jobs. Yes, that's right, it's me. Chief Executive of Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, California, 95014. I know the address. That's how you know it's me, Steve Jobs. Well, I've got some big news this year, and I want the whole world to hear it. I quit. Yes, that's right. I'm resigning, effective immediately. And what's more, I'm shutting down all of Apple. Now, I know this comes as a surprise to some of you, but if you think about it, you'll see I really didn't have a choice. I mean, Vista's been performing so well, you know, they've sold tens of dozens of copies. It was so clear to me that Leopard was just going to get lost in all of that wow. And then I got my iPod killer. The Zune. Look at this baby, huh? Brown. Now, I'm sure you'd agree that it's time for Apple to wave the white flag and concede defeat to the boys up in Redmond, Washington. Et dernière image que je voulais vous montrer ce soir, c'est encore sur un sourire. Hein. C'était en 99, il n'y avait pas grand-chose à présenter, c'était du G3, je crois, à l'époque. Et là encore, il avait trouvé une astuce pour créer l'événement dans la salle. Ce soir-là, il avait un autre invité, ce n'était pas Bill Gates. Hein. Il était nettement moins sympathique. Regardez les images. Hello, Steve. That's a very fast computer you have there. Yes, it is, Hal. It's actually very fast. Steve. I hope you don't mind my saying, but I don't think it's nearly as fast as I am. Well, actually, Hal, it's a very fast computer. Then you won't mind if I conduct a brief test of my own. Go ahead, Hal. Without Phil pressing any buttons. One moment, please. Running benchmarks on Power Mac G3. Running benchmarks on HAL 9000. Analyzing results. Steve, I'm detecting a malfunction in the AE36 unit. It reports that the Macintosh runs 114.516% faster than I do. I don't believe that's possible, Steve. I've just been upgraded to a 450 megahertz Pentium 2. It's true, Hal. Steve, I'm afraid I can't allow this presentation to continue. All members of the press should surrender their notes as they exit the auditorium. Life support systems will terminate in precisely 5 minutes. Voilà, c'est quand même extraordinaire de se mettre en scène. Moi, j'ai rarement vu ça, en tout cas à l'époque, hein, c'était en 99. Monsieur, si tu voulais dire un petit mot, je crois. Oui, on a passé beaucoup de keynotes, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à tout le monde. Moi, je voudrais simplement dire que la keynote où j'ai vu Jobs, que j'ai vraiment le plus aimé de très très loin, parce qu'il savait s'entourer, et que ce jour-là, on l'a su que rétrospectivement, c'était à 15 jours de sa...
de son opération, sa première, où il a eu une ablation du pancréas. C'était le lancement de iTunes en juin 2004 à Londres, en Europe. Et c'était une keynote que je qualifierais de privée ou de semi-privée, puisqu'il y avait quelques clients. Ce qu'on appelait les staffers, donc ceux des employés d'Apple Europe qui avaient été choisis pour aider à faire les démonstrations, et puis des journalistes, donc peut-être 300 personnes sur les quais de la Tamise. Et cette keynote était co-animée avec une chanteuse qui était Alicia Keys, qui nous a offert, avant la keynote de Steve, parce qu'elle l'aimait beaucoup, un concert privé. Donc d'abord, on a eu cette toute petite bonne femme qui est arrivée sur scène avec 300 journalistes, en majorité anglais, qui faisaient un bazar pas possible. Ils avaient peut-être déjà bu de la bière tiède. Elle les a calmés en 5 secondes. Elle a dit « On est là pour faire de la musique ce matin » ou quoi ou qu'est-ce. Elle les a calmés en 5 secondes. Elle a fait son concert et Steve est arrivé après, entre guillemets, en fondu enchaîné. Il a fait cette keynote sur le lancement d'iTunes en Europe. Le produit n'était pas exceptionnel, mais l'atmosphère était vraiment très très réussie. Et il a fait ce qu'il faisait assez rarement, c'est qu'il a pris un vrai bain de foule après, parmi les stations de démonstration, en allant montrer le produit à Alicia Keys. C'était vraiment un grand moment, avec là aussi un petit loupé, mais un loupé, on va dire, un petit peu plus humain. Il est arrivé à Steve, pendant cette keynote, d'être à court d'eau. Vous savez que pendant ces keynotes, il avait ses propres bouteilles avec une eau très particulière, et elles étaient toujours sous son pupitre. Et ce jour-là, les Anglais s'étaient trompés, les mis sur le bord de la scène, donc il les a cherchés pendant un petit bout de temps jusqu'à qu'on lui apporte ses bouteilles. Mais voilà, là, je pense que au-delà du... Je suis curieux, mais c'était quoi son eau très particulière ? Ah, je sais pas, c'était une eau de source. Moi, pour tout dire, j'avais récupéré une bouteille après le keynote, mais elle est restée dans les cartons chez Apple. Je suis pas fétichiste, hein. Mais c'était une eau de montagne qu'il aimait boire tout bêtement. Voilà, mais une atmosphère très particulière. Je crois que plus que d'autres jours, ce jour-là, il était content de ce qu'il avait réalisé, et puis il avait vraiment passé un feeling très particulier, très en simplicité, très en humanité. C'est la seule fois où moi je l'ai vu toucher un petit peu le cœur des gens comme ça, et pas être dans le grand VRP aussi qu'il savait être. Donc ça restera définitivement mon meilleur souvenir. Cédric, tu voulais raconter une dernière histoire avant de nous quitter ce soir. Ouais, moi j'ai que, pour l'instant, hein, et j'espère que ça s'arrêtera là, j'ai que deux regrets dans la vie, en dehors de trucs que je vous raconterai pas qui sont trop perso. J'ai donc que deux regrets racontables. J'ai que deux regrets. Ouais. Exactement. Mon premier regret, chronologiquement, c'est que j'ai pas pris Concorde. Et ça, ça pique. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais les miles pour le prendre. Et mon deuxième regret, je le dis et je l'ai dit, c'est que j'ai jamais interviewé Steve Jobs. J'ai interviewé Phil Schiller. Bon, c'est bien, mais c'est comme le DK, ça fait pas le même effet. C'est pas mal. Oui, Steve Wozniak, oui, d'ailleurs, dont Jeremy, on l'avait interviewé en 2008, il est tellement adorable, ce type, vraiment, c'est une crème. Et on l'a mis en intégrale, vous avez sur Watt.tv, on l'a mis sur le blog de Plein Écran. Bon. Sauf que j'ai presque interviewé Steve Jobs. Deux fois. Eh ouais, tu vois, même toi, t'es pas au courant. Une fois au Déboté, comme le disait Monsieur X à la fin des keynotes, il venait souvent faire des tours au milieu des petites stations de démo. Et là, j'ai à la fois pas eu le réflexe et juste pas osé dégainer la caméra, alors que d'autres l'ont fait, où ont dégainé des iPhones et se sont mis à faire des vidéos, etc. Et où il y avait, comment il s'appelle notre ami du Wall Street Journal, flûte, je ne connais que lui. Walt Mossberg. Merci, Walt Mossberg. Le VRP d'Apple, le journaliste du Wall Street Journal. Le journaliste indépendant. Mais ami personnel de Steve Jobs, on le sait maintenant, donc forcément. Qui était en train de lui poser des questions sur l'autonomie de l'iPad en lecture de musique, et Jobs dit ça doit faire 120 heures, enfin c'était délirant. Mais surtout, en 2006,
un jour, une jeune femme que j'aime beaucoup et qui travaille pour Disney m'appelle et me dit « Tiens, j'ai vu, vous avez fait un truc très chouette sur Ubisoft, là, récemment, dans plein écran. Tu sais, on a des super studios de développement de jeux chez Disney. Ce serait bien un jour que tu viennes pour voir comment ça se passe. » Moi, je dis « Ouais, pourquoi pas. » Et puis, d'ailleurs, si tu viens, moi, je t'arrange une interview avec Bob Iger, le président de la Disney Company. Ah oui. Ah oui, c'est chic. Ah oui, c'est... Ouais, ouais. Et puis, elle me dit, comme dirait un anglais, matter of factly, genre vraiment d'un souffle. Ouais, et puis tant que t'es là, bah, on peut caler aussi une interview avec Steve Jobs. Quoi ? Excusez-moi. Pardon, attendez. Je vais faire répéter avec mais le même. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas un patron de studio d'animation qui s'appelle Steve Jobs, non ? Ah oui, Steve Jobs. Ah non, mais c'est pas un problème, ça. Si Bob Iger lui demande, il dit toujours oui. Et là tu vois c'est un peu comme si Alicia Keys te laisse t'envoie un SMS en disant chérie tu fais quoi ce soir quoi, tu vois, ou Katy Perry écoute c'est bon et célibataire devenir au club c'est dingue et je lui dis oui bah alors, donc à la première opportunité et elle me dit attention Cédric, si on le fait parce qu'on l'a déjà fait c'est possible mais il y a un mais. Interdiction absolue de poser la moindre question à propos d'Apple. Si tu l'interviews, c'est dans sa qualité de patron de Pixar et de rien d'autre. Si tu ouvres la bouche et que tu parles d'Apple, il se lève et il sort. Il l'a déjà fait. Donc bon. Donc dans ma tête, je disais, ah ben oui, bien sûr, mais très bien. Dans ma tête, je disais, oui, on verra bien quelle est la dernière question, et puis il répondra s'il voudra. Et malheureusement, c'était quelques mois, on s'était promis de l'arranger dans l'année, et c'était quelques semaines ou quelques mois avant qu'il prenne un de ses premiers medical leaves, un de ses premiers congés maladie étendus. Et tout à coup, c'est devenu quelque chose qui était vraiment plus d'actualité. Donc voilà, c'est mon gros fail de la décennie, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est triste parce qu'il y a évidemment aujourd'hui, Bill Gates, j'ai fait tout ça. Il y a personne que j'ai envie d'interviewer comme j'ai eu envie d'interviewer Steve Jobs, évidemment, même si ça doit être pour l'avoir vu, pour connaître des gens qui l'ont fait, c'est un enfer. C'était vraiment interviewer la Castafiore, c'était impossible de lui faire parler de quoi que ce soit d'autre que de ses produits. Enfin, c'était une torture d'interview. Je veux dire, voilà, à côté, Bill Gates, c'est quelqu'un de c'est un bonheur. Voilà, à l'image de ce que vient de nous raconter Cédric, on a essayé de vous faire partager ce soir nos petits livres de souvenirs. On voulait vraiment faire une émission le plus heureuse possible, malgré l'annonce qui est vraiment triste. C'est la fin de ce podcast, messieurs, vraiment un podcast que je n'aurais jamais aimé et jamais ne jamais faire. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. On se comprend, c'est le principal. Oui, vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran. Je vous invite vraiment à regarder le spécial qu'a fait Cédric au Japon avec mon ami Guillaume Delalande sur le spécial Steve Jobs, qui est remarquable sur tf1news.fr. Il est en différé. Vous retrouvez Monsieur X chaque semaine dans Refait le Mac. Vous retrouvez Rodrigo également chaque semaine avec nous. Et surtout, un grand merci à Jean-René Cazeneuve pour sa confiance, pour être avec nous, nous avoir raconté quelques anecdotes ce soir, pour essayer d'apporter un éclairage un petit peu différent. Sa patience Jean-René, aussi, sa patience, disons-le. Oui, est-ce que l'émission a été longue à enregistrer, Jean-René, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, c'était un plaisir. On termine sur une note heureuse, messieurs. Je vous invite à vous procurer le dernier numéro du magazine Acriade qu'on vient tout juste de boucler, ce qui explique l'état de fatigue avancé en ce qui me concerne. Et où nous reviendrons également longuement sur la carrière de Steve Jobs, où il sera en kiosque la semaine prochaine. Et pour nous quitter, je vous propose de dire adieu à Steve Jobs en images, à l'occasion de notamment de diffuser les nombreux témoignages que vous nous avez envoyés via Twitter et via le mur Facebook dont refait le Mac. Notre monteur François Bontemps tenait lui aussi à rendre hommage au cofondateur d'Apple. Steve, tu vas nous manquer. À la semaine prochaine.
to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Bye.